Bonjour à tous, c'est Célia. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un livre. Un livre de Julie Conton qui est édité aux éditions Mémoire du Monde. C'est sa maison d'édition à elle. Et vous connaissez peut-être déjà Julie Conton avec deux livres d'ailleurs que je vous avais montrés, celui sur les runes et celui sur l'ogame celtique. Ce sont des livres qu'on voit assez souvent passer justement dans notre sphère. D'ailleurs, tiens, on a aussi... une petite référence au tarot ici. Donc là, vous voyez, on a des gros livres, celui sur l'ogame et celui sur les runes. Et en fait, Julie vient de sortir un livre axé sur le tarot, mais sur les arcanes mineurs uniquement. Donc ça change, parce que d'habitude, on a toujours les arcanes majeures. On se focalise beaucoup sur ces arcanes majeures et assez peu sur les mineurs. Et ici, on a au contraire une approche autour des arcanes mineures. Alors vous voyez que la taille du livre est complètement différente. Là c'est le petit livre, là ce sont ceux que vous avez sans doute vu passer déjà. Donc voilà, je vais vous les mettre de côté ceux-là. Et on va se pencher plutôt sur celui-ci. Tarot, mot-clé pour le symbolisme des arcanes mineures. Donc vous voyez, on est sur cette idée de mot-clé. Donc on a quelque chose qui va se présenter de façon assez succincte, légère. C'est une première approche des arcanes mineures. Et c'est une première accroche, pardon, qui est bien faite. Ce livre simple d'emploi, donc tout à fait, là j'acquiesce sur la simplicité d'utilisation de ce livre. Pratique et complet, présente le symbolisme des 56 arcanes mineures du tarot sous la forme de mots-clés. Il fait référence à l'imagerie du tarot Rider-Waite, mais convient aussi au tarot de type Marseille où les points ne sont pas illustrés. Avant l'interprétation des 56 arcanes mineures, l'auteur présente préalablement le symbolisme des nombres de 1 à 10, les cartes de cour et les quatre familles du tarot, denier, coupe, épée et bâton, qui renvoient aux quatre éléments. Que vous soyez débutant ou avancé dans l'art du tarot, ce petit ouvrage conçu comme un aide-mémoire vous accompagnera facilement lors de vos tirages. Voilà, donc je vais vous montrer comment il se présente. Vous avez ici les autres livres de cette maison d'édition. Donc on a le tarot avec le mot-clé, l'introduction, sur justement une notion sur la symbolique. Une petite aparté justement sur Arthur Edward Waite, donc qui c'était. Et puis on arrive sur la symbolique des nombres. Vous voyez, donc on reprend la symbolique des nombres jusqu'à 10. Puis la symbolique au niveau des valets, des cavaliers, les figures en fait, les cartes de cour, donc la reine et le roi. Ensuite on va reprendre les éléments, les deniers pour l'élémentaire, avec le plan physique, le matériel, l'élément eau avec les coupes pour le plan émotionnel, donc l'eau, le yin, le féminin, les émotions, l'air avec les épées, donc là on est sur le plan mental, le plan masculin, etc. On a aussi d'ailleurs les signes associés, par exemple ici Gémeaux, Balance et Verseau. Et l'élément feu avec les bâtons, le plan spirituel, tout ce qui va être masculin, passion, feu, etc. Donc on a ici le potentiel énergétique, donc la mise en action. Voilà, donc on reprend ces éléments-là. Une petite note sur une citation de Carl Gustav Jung. Le symbole n'en sert rien, il n'explique pas. Il renvoie au-delà de lui-même vers un sens encore dans l'au-delà, insaisissable, obscurément pressenti, que nul mot de la langue que nous parlons ne pourrait exprimer de façon satisfaisante. Donc ensuite on a, sous la même présentation, les cartes. Donc vous avez la représentation de la carte qui est ici. On a les mots-clés, donc commencement de quelque chose de concret, initiative pour amener prospérité, richesse, etc. Donc on a les mots-clés de façon générale, la position de blocage ou d'obstacle, ou ce dont on va manquer, ou ce dont on est en excès, justement. Et on va reprendre cette thématique, en fait, pour chaque carte.
Donc, vous voyez, c'est très succinct, ça va directement au but. Vous n'avez pas de phrases, vous avez vraiment des mots-clés. Et c'est un livret qui va vraiment vous permettre, en fait, qui va être utilisé comme guide, comme aide-mémoire. Moi, j'aime bien justement ce qu'elle a utilisé comme terme, ce côté aide-mémoire, de se dire, ah oui, c'est vrai, où est-ce que je... Cette carte, j'ai besoin là de retrouver d'autres mots-clés ou de trouver, de me rappeler la signification. Donc, on va utiliser ce livret-là dans ce but, en fait, ce livre-là dans ce but. Voilà, donc je voulais vous le présenter. J'aime beaucoup ce que fait Julie Conton. Donc voilà, ça me fait plaisir de pouvoir vous présenter son dernier-né. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Je vous mets la référence au fait en dessous en barre d'infos comme d'habitude. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!